Nous sommes le vendredi 10 avril 2020, il est 20h, voici les titres de votre journal. Les mesures pour freiner la chaîne de contamination au Covid-19 se durcissent. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont décidé de porter obligatoirement les masques pour se prémunir de cette pandémie. La mesure n'est pas encore adoptée obligatoirement au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Doit-il suivre le pas de ses voisins? Les arguments des Burkinabés vont bon train, vous le verrez tout de suite dans ce journal. Il faut prendre des mesures urgentes pour que les activités socio-économiques reprennent au Burkina Faso. Foi du siècle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19, les membres de cette association de jeunes Burkinabés ont fait cette demande à l'endroit de Roch Kabore ce matin à Ouagadougou. Le siècle souhaite aussi que les Burkinabés portent obligatoirement les masques. Les précisions dans un instant. Dans ce journal également, on reviendra sur l'opération Colère de Goma dans le lac Tchad. Les hommes du président Déby ont tué 1000 terroristes de Boko Haram depuis le début de l'opération. Ils appellent les pays voisins à reprendre désormais leur territoire. Voilà pour les titres. Bonsoir et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour les informations sur la chaîne africaine de télévision. Actualité avec le Covid-19 pour ouvrir ce journal. À la date du 8 avril 2020, la Côte d'Ivoire enregistrait au total 444 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès. Les chiffres ne font que grimper. Le pouvoir d'Abidjan veut corser les mesures. Hier s'est tenu donc un Conseil national de sécurité où de grandes résolutions ont été adoptées. Le Conseil a décidé de l'obligation du port de masque dans le Grand Abidjan en veillant bien sûr à leur disponibilité et à leur gratuité, la distribution de vivres et non-vivres en soutien aux populations vulnérables ou encore le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Alassane Ouattara, le président ivoirien, reconnaît la gravité donc de la maladie. C'est pourquoi toutes ces nouvelles mesures ont été prises. Écoutons-le ensemble. La pente commence à monter et nous devons prendre des mesures plus fortes pour être sûr que nous allons très rapidement, je souhaite, d'ici 2-3 semaines, traverser le pic et que nous allons également avoir les moyens de guérir tous ceux qui sont positifs. Et ceci me paraît essentiel pour que nous puissions aller de l'avant. Et dans ce contexte de port obligatoire du masque en public, la question est aussi au bout des lèvres des Burkinabés. Ils sont nombreux justement ceux qui s'interrogent pourquoi le Burkina Faso ne fait pas autant en vue bien sûr de limiter la propagation du virus. Ces Burkinabés ont donné leur point de vue sur la question, la synthèse avec Ahmed Nanema. Si le port de masque de protection est rendu obligatoire dans certains pays en Afrique comme la Côte d'Ivoire et le Bénin pour réduire la propagation du Covid-19, ce n'est pour l'instant pas le cas au Burkina Faso. À ce sujet, la plupart des Burkinabés sont favorables à l'imposition du port du masque, mais déplorent sa cherté sur le marché. C'est normal, on peut appliquer ça ici, mais les gens n'ont pas les moyens. Si on veut que les gens portent casque là obligatoire, il faut qu'ils donnent l'argent aux gens, casque gratuit aux gens, ils vont porter. Moi, par exemple, je compte 6 mois. Moi, si je paye casque là, je paye peut-être casque 10 casque chez moi à la maison, pour donner à mes enfants, au moins 10. Maintenant, les 10 là, moi, je ne gagne pas 1000 francs par jour. En tellement, je ne gagne pas 1000 francs par jour, je fais comment? Je pense que le masque nous protège parce que vu que même si une personne est infectée, elle met 2 semaines, je pense à 21 jours avant de développer la maladie. Alors qu'avant même que la maladie se développe, elle peut contaminer quelqu'un. Donc si on porte les masques, si on se parle, même si les jets de salive et autres là, ça nous protège quoi. C'est mieux de respecter, d'appliquer cette loi-là ici aussi, le port du masque obligatoire. Ça sera difficile pour certains, mais je pense que pour la santé, c'est mieux de mettre le prix. C'est cher, mais c'est pour ta propre santé. Donc c'est mieux si tu peux te débrouiller et puis avoir ça. C'est pour le bien de la population et c'est une des mesures barrières contre le coronavirus. Ça revient au gouvernement de prendre des mesures pour rendre accessible le masque à tout le monde. Oui, on peut appliquer ça obligatoirement au Burkina ici, mais c'est qu'ici, on n'a pas les mêmes réalités qu'en Côte d'Ivoire et au Bénin. Parce que, vous savez, ici, là, affaire de la maladie, là, ça a pris une autre tournure.
Les politiciens veulent récupérer ça. Voilà pourquoi nous, en tant que population, on commence à en avoir marre de cette maladie-là. Moi, je pense qu'on doit exiger le port de masque. Parce que c'était prouvé que ça limite la contamination. Voilà, lorsqu'une personne, et d'abord pour les personnes qui sont contaminées, ça limite la contamination. Pour celles aussi qui ne sont pas contaminées, ça leur évite aussi de pouvoir d'inhaler des gouttelettes en fait de salive. Surtout aussi avec notre climat, la poussière et tout ça. Ça va même contribuer même à réduire les autres maladies, même respiratoires, qu'on avait d'habitude. Le problème qui se pose à ce niveau est que les gens n'ont pas aussi assez de moyens pour payer ces cachenets-là. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais appris que dans les pharmacies, c'est à 1000 francs. Moi aussi, moi-même, je me suis lancé dans le domaine. J'ai laissé ce que je faisais parce que ça ne donne plus. Maintenant, je suis dans le cachenet. Mais nous rencontrons beaucoup de clients qui disent que, bon, malgré que nous on fait ça moins cher, les gens trouvent qu'ils n'ont pas les moyens. Au cas où la mesure du port obligatoire de masque dans les rues doit s'appliquer au Burkina Faso, il faudrait qu'il y ait suffisamment de bavettes de protection afin que chacun puisse s'en procurer quand on sait qu'il existe une pénurie dans le monde. Au Burkina Faso, une nouvelle initiative dans la lutte contre le Covid-19 est née. Son nom, les populations s'engagent à vider le Covid-19, en abrégé comme vide Covid-19, porté par des organisations, j'allais dire, de la société civile. La nouvelle trouvaille a pour objectif d'aider au renforcement de la riposte par des moyens communautaires. Gilles Dasda pour le compte-rendu. Dans un contexte au risque de plus en plus élevé du fait du Covid-19, des acteurs de la société civile se mobilisent pour apporter du sang neuf dans la riposte contre la maladie. Dans cette optique, une initiative est mise sur les rails. L'initiative que nous lançons aujourd'hui est de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne et dénommée « Les communautés s'engagent à vider le Covid-19 » en abrégé comme « vide Covid-19 ». Cette plateforme est un regroupement de 23 organisations de la société civile mises en place depuis le 12 février 2020 avec pour objectif d'assurer le suivi citoyen des questions de santé par les organisations de la société civile. Le COMVID COVID-2019 est donc un élan citoyen innovateur qui vise à appuyer les initiatives du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et d'autres acteurs en lutte pour conjuguer les efforts et arrêter cette maladie. Pour atteindre les résultats escomptés, la stratégie communautaire est la méthode privilégiée, avec comme matérialisation sur le terrain une offre d'activités de proximité à dérouler. La sensibilisation sur les mesures de prévention au niveau individuel, suivi de la mise en œuvre des mesures de protection collective, la promotion de l'innovation communautaire pour atténuer l'impact des mesures de l'état d'urgence sanitaire, l'appui à la recherche des personnes ayant déjà été en contact avec des cas confirmés, la mobilisation et le suivi des ressources mobilisées pour la lutte contre le Covid-19, le suivi des mesures sociales prises par le chef de l'État, et pour mener toutes ces activités, des cellules de veille sanitaire seront mises en place dans tous les secteurs des villes et dans les villages du Burkina Faso. L'initiative COMVID COVID-19 se veut rassembleuse. Elle est ouverte aux organisations de la société civile ainsi qu'à d'autres personnes morales comme physiques. À Ouagadougou, ils sont nombreux les secteurs qui ont stoppé leurs activités du fait de la maladie à coronavirus. Décision généralement prise par le gouvernement burkinabé pour limiter, voire freiner les cas de contamination. Dans ces mesures drastiques figure la quarantaine de la capitale. Il est aussi sonné à tous les transporteurs en commun de mettre une pause dans leur activité. Les taximans faisant donc partie de ce grand groupe déclarent que depuis la mise en œuvre de cette décision, c'est la galère qui frappe à leur porte chaque jour, mais heureusement, les âmes sensibles commencent à entendre leur cri de cœur. La suite dans ce reportage que nous vous proposons. Quelqu'un qui est habitué à circuler partout à Ouagadougou, on fait la navette des va-et-vient. Et quand on dit celui-là de s'asseoir,
sans faire quelque chose. En tout cas, c'est d'abord une maladie. C'est une maladie qui s'ajoute à la présence du coronavirus, dit Haruna Yameyogo. Lui qui se levait chaque jour de bonne heure pour sillonner les rues et avenues de Ouagadougou en tant que taximan. Le Covid-19, avec toutes les mesures prises par le gouvernement burkinabé, lui fait passer de vrais moments difficiles, même s'il reconnaît l'importance de la mesure. Comme c'est une question de santé publique, on est contraint d'accepter que c'est partout dans le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est au Burkina seulement. Comme c'est un phénomène mondial, on est obligé de faire avec. Difficile, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui même, quand tu travailles même à Ouagadougou, c'est raccommodé. Donc maintenant, si on te dit de s'arrêter, vraiment c'est la galère. Et Seré Mamadou, un autre chauffeur de taxi, d'ajouter. Bien sûr, la galère s'est fait sentir. Parce que actuellement, plein de taximans n'étaient pas prêts. Pour économiser, vous savez que si tu travailles pour quelqu'un, limitement par recette, c'est un peu dur que tu fais des économies. Brusquement, quand la nouvelle est tombée, c'est tombé du coup. Donc, le lendemain seulement, tout le monde a garé. Il n'y avait pas des gens qui avaient les moyens de faire l'argent de proposte. Cette situation est encore plus difficile pour certains collègues qui ont plus d'une femme, car n'ayant pas eu le temps de bien se préparer, selon Seré Mamadou. Tous les taximans sont garés, hein, ouais. Parce que tous les taximans qui ont deux femmes, des enfants beaucoup, franchement, ce n'est pas facile. Pour amoindrir les difficultés, il demande au pouvoir de Ouagadougou d'atténuer la décision. Et voici une de ses propositions. Nous demandons en tout cas les autorités qu'ils puissent nous aider à refaire, puisqu'il y a quand même les véhicules particuliers qui roulent, qui prennent des gens. Hein? Mais j'aurais voulu que l'autorité change à nous, même si on peut sortir, circuler avec un client devant et deux clients derrière et chacun collé à la porte. Et on va exiger aux clients de se protéger. En attendant d'avoir un retour sur leurs demandes, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso fait un geste à leur endroit. Des vivres, composés essentiellement de sacs de riz, 4 tonnes leur seront distribués. On a gagné un vivre de riz de 4 tonnes pour offrir à le président national de Taximan qui n'a qu'à appeler ses membres. Vous savez que notre pays est en problème actuellement vu le coronavirus. Les taxis sont garés. Nos papas, nos grands frères actuellement ne font rien. Ils ont des familles, c'est des pères de famille. Mais c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. On devait faire plus. Mais c'est ce qu'on a gagné. C'est bien vrai que, en tout cas, le don est peu. Mais déjà, ça nous soulage beaucoup. Le fait même d'avoir même pensé à ces acteurs-là, nous soulage déjà. Et que ça nous va vraiment droit au cœur. Et nous prions Dieu. En tout cas, ce don-là puisse vraiment rendre service à nos camarades taximans qui sont ici. Les taximans nous confient que cette action du Conseil national de l'économie informelle a déjà eu écho favorable auprès d'autres institutions, elles qui s'apprêtent à leur venir en aide. Sur les 55 cellules de taxi que compte Ouagadougou, les plus démunis auront au moins un sac de riz. J'ai une liste de 20 taximans qui sont derrière moi. Vraiment, nous avons pris un sac pour aller se partager. Bon, vous voyez que bon, on est obligé même de donner aux plus démunis entre nous. Trop de bonnes actions n'est jamais mal apprécié. Alors, ces taximans appellent encore ceux qui peuvent les aider en cette période à le faire, car comme les autres travailleurs, ils contribuent eux aussi à remplir les caisses de l'État. Un an après la chute d'Omar el-Béchir, le prix du pain est toujours en hausse au Soudan. Une légère augmentation, le gouverneur de l'État de Khartoum a indiqué dans un communiqué qu'une miche de pain de 50 grammes serait désormais produite et vendue une livre soudanaise. Précédemment, une livre soudanaise permettait d'acheter une miche de 70 grammes. Et on se souvient que c'est l'augmentation de la miche de pain qui a suscité donc des manifestations de rue et qui ont fini par chasser le président Omar el-Béchir du pouvoir, lui qui dirigeait le pays depuis 1989. C'est donc demain
11 avril que les Soudanais vont se remémorer cette journée qui a causé la chute de M. Béchir. On revient encore au Faso. Le cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 poursuit sa mission de veille et d'aide à l'endroit de l'exécutif burkinabé. Cette fois, il revient sur scène pour suggérer au gouvernement la mise en œuvre des mesures urgentes afin d'œuvrer à la reprise des activités socio-économiques. Le cercle souhaite aussi que l'imposition du port des masques en public soit obligatoire, comme l'a décidé la Côte d'Ivoire. On en parlait en début de cette édition. Ils ont fait cette annonce ce matin à Ouagadougou et c'était en présence de Bassir Oussa Ouadogo et Judith Kimadi. La reprise des activités socio-économiques doit être effective. Il faut réouvrir les marchés et restaurants ainsi que les lieux de culte, permettre le transport interurbain, imposer le port obligatoire des masques en public tout en améliorant la riposte sanitaire. C'est le souhait du G-Covid-19. Le cercle citoyen d'aide à la gouvernance du Covid-19 prône en ce jour la reprise tous azimuts des activités. L'idéal, c'est qu'on ne ferme pas, on n'ouvre pas et qu'on reste dans ces interdictions pendant un temps. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on peut tenir comme ça pendant un certain temps? La question est là. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui? C'est un pas de confinement général. Même le confinement partiel, on est en train de vouloir lever ça. Et ce n'est pas la volonté des autorités, mais la volonté même de la population. Donc si vous voulez forcer à aller à un confinement général, je me demande, est-ce que ça tiendra? Est-ce qu'on ne va pas déboucher sur des contradictions qui vont devenir sociales et politiques? Donc autant réfléchir maintenant, et c'est notre rôle, autant réfléchir maintenant sur les options qui sont en train d'être discutées. Si ces options arrivaient à être prises, qu'est-ce qu'on met concrètement dedans? Parce que notre rôle ici, c'est de faire en sorte que le résultat qui est recherché puisse être atteint. Celui donc de barrer la route à la propagation, de stopper la propagation et évidemment de lutter efficacement contre la maladie. Donc, tout ceci doit se faire dans le respect d'un certain nombre de mesures urgentes à mettre en œuvre. Par exemple, pour le secteur des marchés et yards, nous proposons de mettre en place une logistique pour l'opérationnalisation des mesures barrières, notamment distinguer les portes d'entrée en nombre réduit et des portes de sortie, de disposer à chaque entrée un dispositif lave-main, d'instaurer la prise de température à chaque entrée. Il est important également d'exiger le port du masque pour les commerçants et les clients, de mettre en place un système alterné en 2 ou 3 vagues au niveau des commerçants si c'est nécessaire pour l'espacement. Le deuxième secteur qui est vraiment très affecté, c'est celui du transport interurbain et urbain. Et pour cela, nous proposons une reprise sous les conditions suivantes, de mettre en place un dispositif de lavage de mains à l'entrée de chaque gare et à chaque embarquement, de prendre la température des passagers avant embarquement, de prévoir 2 sièges par passager pour observer la distanciation physique. J'ai vérifié hier, j'étais en contact avec un ami du Mali, le transport interurbain se poursuit sous cette condition-là. D'instaurer la prise de température à chaque entrée de gare et d'exiger le port du masque pour le chauffeur, le convoyeur et les passagers tout le long du trajet. Nous proposons de mettre en place vraiment un dispositif assez coercitif qui pourrait imposer le respect de ces mesures dans tous ces secteurs d'activité-là. C'est donc la mise en place d'unités mobiles de surveillance et également un numéro vert pour la dénonciation des structures qui ne respecteraient pas ces mesures-là et d'appliquer la sanction de fermeture des structures en cas de transgression avérée. Le cercle citoyen G-Covid-19 plaide en outre pour l'intégration officielle des thérapeutes traditionnels dans le système de riposte sanitaire, mais aussi de la prise en charge des malades du Covid-19 pour plus d'amélioration et éviter des pratiques parallèles préjudiciables à la sensibilisation au niveau de la population. Dans la suite de ce journal, l'association professionnelle des sociétés cotonnières du Burkina Faso contribue elle aussi à la lutte contre le Covid-19. Ce matin même, elle a remis un chèque pour soutenir l'initiative mise en place par UPharma. UPharma qui est l'unité de production de phytomédicaments et de médicaments. Et cela pour accroître la capacité productrice des PME et des PMI, bien sûr, surtout dans le contexte de la lutte contre la pandémie. Oumou Konaté, Constantin Sieda.
Suite à l'appel de solidarité du président Roch Kaboré à lutter contre la pandémie du coronavirus, l'association interprofessionnelle des sociétés cotonnières du Burkina Faso laisse parler son cœur. Elle offre un chèque de 50 millions de francs CFA à UPharma pour soutenir son initiative. Nous souhaitons que l'initiative UPharma puisse effectivement permettre aux populations burkinabées de disposer des médicaments, des gels et des masques aussi pour pouvoir donc créer les conditions de recul de cette maladie. Il faut dire que nous sommes dans une logique de collaboration avec donc les producteurs et nos périmètres opérationnels, les sociétés cotonnières, les périmètres opérationnels des sociétés cotonnières sont tels que nous devons également agir au niveau donc des localités où nous avons des activités. Selon le directeur général du développement industriel, cette contribution est un geste fort pour montrer son engagement à lutter contre le COVID-19. Et donc le geste que l'AICB vient de porter est un geste qui est l'engagement des acteurs de la filière coton à accompagner le ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans l'initiative que nous avons lancée il y a quelques jours, le 31 mars dernier, pour donc faire en sorte que nous puissions disponibiliser un certain nombre de produits, dont des médicaments, des cache-nez, du gel, pour faciliter justement la lutte contre cette maladie, parce que nous avons besoin d'avoir des mains propres, de ne pas contaminer les autres ou de ne pas être contaminé par les autres parce que nous n'avons pas eu la possibilité de porter un masque, mais que ces masques soient disponibles pour tous et que les médicaments que le protocole sanitaire a prescrits pour traiter la maladie soient des médicaments qui puissent être disponibles localement pour ne pas dépendre uniquement des importations. La lutte contre le COVID-19 est certes une lutte individuelle, mais aussi une œuvre collective. Chaque Burkinabé doit se mettre dans la logique des gestes barrières que la plateforme sanitaire du Burkina Faso recommande. Andry Rajoelina, le président de Madagascar, croit que son pays pourrait changer l'histoire du monde entier en trouvant un remède pour guérir le coronavirus. Selon lui, en tout cas, c'est du côté des plantes médicinales qu'il faut chercher les remèdes. Le président malgache l'a affirmé le mercredi dernier. Il soutient qu'un remède à base de plantes était susceptible de soigner les malades du coronavirus qui a contaminé près d'un million de personnes et fait plus de 86 000 morts dans le monde. J'ai reçu une lettre le 24 mars indiquant que Madagascar possède le remède qui pourrait, au conditionnel, car on doit encore le prouver, guérir le coronavirus, a-t-il déclaré. Andry Rajoelina n'a pas précisé le nom de cette plante ni l'auteur de la lettre qu'il a citée, mais annonce que les essais vont se faire, et bien sûr assurant que des scientifiques et des laboratoires de plusieurs pays étaient prêts à y participer. Le président malgache a aussi précisé que l'exportation du médicament, tout comme des plantes qui le composent, est interdite. La lutte contre le terrorisme donne de bons fruits pour l'armée tchadienne. 1000 djihadistes ont été tués dans l'offensive contre Boko Haram. L'armée tchadienne a annoncé hier avoir donc mis fin à une offensive contre les djihadistes de Boko Haram dans la région frontalière du lac Tchad. C'était au cours de l'opération Colère de Goma, démarrée le 31 mars dernier. On note aussi la mort de 52 soldats durant l'opération. Sur tous ces points, je vous propose d'entendre le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa Agouna. L'opération Colère de Boma, déclenchée le 31 mars 2020 sous la haute supervision du chef suprême des armées, est arrivée à terme. Les forces de défense et de sécurité, avec courage et détermination, ont mis en déroute les terroristes de Boko Haram des îles. Les terroristes de Boko Haram sont chassés de toutes les îles du lac. Le bilan de 8 jours de combat s'établit comme suit. Côté ami, nous déplorons 52 martyrs et 196 blessés. Côté ennemi, 1000 terroristes de Boko Haram neutralisés, matériel détruit, 50 pirogues détruites, matériel récupéré, plusieurs armes collectives et individuelles
récupérés. Les forces de défense et de sécurité sont stationnées en profondeur dans les îles du Niger, du Nigeria, en attendant de passer la main aux soldats de ces pays amis. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, je serai encore avec vous pour d'autres actualités. Mais avant, n'oubliez surtout pas de continuer à suivre les programmes de la chaîne africaine de télévision. Portez-vous bien et bonne soirée.